qui va ordonner le décollage. Il est pilote de Mirage 2000D. Il a plus de 2500 heures de vol. Ça, c'est la radio. 139 625. Elle est pas dessus. Voilà, le box arrière vient de décoller devant vous. Il est emmené par le capitaine William Leroy. Il porte le numéro 7 sur la dérive. C'est lui, Atos 7, le leader solo de la patrouille 2014. Il a été formé sur Mirage 2000-5 à Dijon, au sein de l'escadron de chasse 1-2 Cigogne, spécialiste de la défense aérienne. Il totalise 2200 heures de vol et il est en troisième année à la patrouille de France. Ça y est, les 8 Alpha Jet de la patrouille sont rassemblés maintenant et vont revenir d'ici quelques instants sur l'axe que l'on appelle la perpendiculaire, c'est-à-dire face à vous, cher public, afin de débuter leur démonstration beau temps 2014. Droite sur le lac de Neuchâtel, le commandant Jean-Michel Herpin ramène ses 8 Alpha Jet pour vous présenter, mesdames et messieurs, le show de la patrouille de France 2014. S'éloigne sur notre gauche après ce passage en formation Jato, débutant le tableau dédié à l'aéronautique. Et oui, les fusées Jato étaient des fusées d'appoint utilisées notamment sur Mirage 4 afin d'obtenir une augmentation de poussée. Et information Diamant, et bien pour le moment la patrouille va revenir sur l'axe de présentation par cette oreille à gauche. Et le leader va en profiter pour ordonner le passage en formation Apollo. Formation dédiée à la conquête spatiale au sens large, mais qui constitue un hommage tout particulier aux deux parrains de la patrouille qui sont cette année les spationautes Patrick Baudry et Jean-Loup Chrétien.
conquête spatiale pour revenir au fleuron de l'aviation commerciale, mis en service le 2 mars 1969, le Concorde. Car c'est dans cette formation que la patrouille vous offre cette boucle. Et c'est en formation Rafale que les 8 Alpha Jets vont effectuer ce tonneau devant vous. Vous remarquerez la position des deux extérieurs qui se retrouvent de front avec les deux intérieurs afin de former un alignement parfait symbolisant alors l'aile du dernier-né des avions de combat de la société d'assaut entrée en service dans l'armée d'air depuis 2007. Et maintenant, la patrouille sur fond de Jura sur le lac de Neuchâtel en virage droite. Avant de revenir pour cette formation Losange face à vous, il est temps pour moi de vous présenter Atos 4. C'est lui qui vient de reculer au milieu des autres équipiers. C'est le commandant Romain Bétou, pilote de Mirage F1 CT. Il est en première année à la patrouille de France et il sera le leader de l'équipe l'année prochaine. La patrouille prend une formation diluée dans l'espace sur cette phase descendante. Eh bien, vous trouverez juste à droite du leader Atos 2, le capitaine Benjamin Michel. En première année à la patrouille de France, il est en l'intérieur droit, formé au sein de l'escadron de chasse 1-2 Cigogne sur Mirage 2000-5 et totalise 2500 heures de vol. Et son symétrique direct juste à gauche du leader Atos 3, le capitaine Benjamin Chana, pilote de Mirage F1 CR, lui aussi en première année à la patrouille. Il totalise plus de 2600 heures de vol. Alors que l'équipe revient maintenant sur l'axe de présentation, en formation Tonosimu. Vous aurez apprécié la simultanéité de ces tonneaux, particulièrement présentatif de ce que l'on recherche au sein d'un groupe dans l'armée de l'air, une synergie qui procure à toute l'équipe eh bien, son efficacité et sa force. Mais profitons de ces barriques pour vous présenter nos deux extérieurs. Il fume rouge, il est à gauche, c'est Atos 5, le capitaine Vincent Plantier, troisième année à la patrouille de France. Il est pilote de Mirage F1 CR. À droite en bleu, Atos 6, le capitaine Olivier Blantailleur, spécialiste de la défense aérienne. Il nous arrive de l'escadron de chasse 1-2, Cigogne, et totalise 3000 heures de vol effectuées sur Mirage 2000-5. Alors que nous arrivons au moment dernier de cette série 2014,
Le ruban en partie constitué d'évolutions harmonieuses réalisées à 8 appareils se termine. Nous allons entamer d'ici quelques instants la partie synchronisation où la patrouille va se séparer afin de vous présenter des figures à 4 ou 6 appareils. Mesdemoiselles, messieurs, la patrouille de France pour son éclatement intermédiaire. Atos 7 et 5 à gauche, Atos 8 et 6 à droite, mais c'est face à nous qu'il faut regarder. Jim, le commandant Jean-Michel Herpin, leader 2014, ramène son box avant pour clôturer cet éclatement intermédiaire. Et nos deux paires du box arrière sont déjà sur l'axe de présentation sur votre gauche et sur votre droite pour présenter le croisement TP pour tir pouce. Découvrir tir pouce. Alors que nos deux extérieurs quittent leur solo afin de leur laisser leur solo libre, il est temps pour moi de vous présenter tout de suite. Il est sur votre gauche, c'est le capitaine Hervé Aubert, le second solo de la patrouille. Il est pilote de Mirage 2000-5 formé à Dijon, pas très loin d'ici. Il est en deuxième année à la patrouille de France. Il fume bleu. Et il est... Tiens mon plan devant. Sur le dos. Devant, je dégauche ici. Maintenant. Devant, un coup de team. Et la fumée top. Et qui tourne de solo pour chercher le boxeur. Les barriques. Le 4. Top. Qui revient pour ses barriques. Suivi du palmito. Le 3. Top. Palmito couleur. Et on y va, boucle. Coup de palette, top. Séparation, top. Et l'horizontale est top. Et c'est dans les premiers laissés par le box avant qu'il nous faut chercher nos deux extérieurs face à nous. Rassemble le 4 de 90. À Loulou, une figure dédiée à leurs amis, le capitaine Renaud Ecal, champion, paru bien trop tôt. La Loulou. Devant bien à droite. Haut dans le ciel, bien cherchons du regard nos deux solos sur la gauche. Ils sont sur l'axe de présentation. Et le poudre de couleur, non. Réalisé pour vous un chef-d'œuvre de synchronisation et de technicité. Pour vous, la clé. Et je dégauche maintenant. Juste bien. 92. Et pour le cœur, on y va. Et boucle. Temps pour nous de poser et de vous laisser partager et profiter avec l'équipe 2014 de ce moment d'émotion. Top. Et l'horizontal est devant. 5100. Pareil. Vertical. Je suis bien. Rendu prime. Encore. Patrouille coupée top. Virage à gauche. 5. 4. Allez, dis bien. Et il est pour vous ce cœur. Bon, c'est leur façon à eux de vous dire merci. Merci d'être là aussi nombreux aussi tôt le matin pour venir regarder l'ensemble des présentations et notamment celle de la patrouille de France. Mais sur notre droite. Dès à présent, revient de l'extérieur pour
Cadence. Cette figure emblématique, le ticking clock. J'ai 3-0. Devant va dégaucher. Et je dégaucie. Maintenant. Je en couleur. Tic, qui est un hommage. Devant la étape. Rajoute de poil. Alors. Point de bois. Helvétique. Et au centre, et bien légèrement à droite, c'est le box avant qui se devant présente pour exécuter une triple volute que le leader a baptisé Blaugrana. Et toi, à gauche. Son passage en Espagne. On y va, boucle. Aéronautique. Dès à présent, il nous faut porter le regard sur notre droite car le box arrière revient pour une des figures les plus emblématiques de la patrouille de France. Grand virage à gauche, la shérif. Elle est emblématique car elle a traversé les années et les équipes. Blanc, et il y a plus de 20 ans maintenant par le capitaine Philippe Lavandi, shérif, d'où le nom, et qui est pilote de la Bretling Team depuis bien des années maintenant, et nous le saluons ici aujourd'hui à Payerne. Et en miroir, la shérif du box arrière, mon Claudel, eh bien c'est une figure nouvelle cette année. Le box avant sur votre gauche revient. Formation devant, et devant la shérif du box avant. Devant, j'ai 3-2 pour les mises à dos. Mise intérieure. Stop. La sortie. Stop. Pour les intérieurs, Paris, stop. Ouais, à droite, cadre. Et tour à droite. Et je vais vous parler de figure emblématique et celle que nous ramène le capitaine William Leroy, dit Will, face à nous maintenant. Non, c'est bien. En est une. Voyons l'acte devant. On aperçoit les quatre en formation pour le Big Bang. Le vent est du bien. 2x89. Devant et à gauche, cadence. Et tour à gauche. Cadence. J'ai 2-7 perceptions à la top.